On est de retour, Stanley 25, le podcast, huitième épisode de 10. On vous l'a déjà dit, on fait des saisons de 10 épisodes, puis après ça, on prend des longs congés, comme les joueurs de hockey quand ils ne font pas une série. Euh, on est un podcast différent des autres, on le dit souvent, fait que des fois, on invite des gros noms que vous voyez partout, mais des fois, on aime ça parler à des gens moins connus ou pas connus du tout. Des gars du peuple. Des gars du peuple. Qui ont des choses à dire, qui ont été dans des endroits où ce qui se passait des euh, vraies choses. C'est ça qu'on reçoit cette semaine. Puis petit message au gars de la poche bleue. Oh uh oh. Ça a pris quatre heures. Après qu'on ait sorti l'épisode avec Georges pour que vous invitiez Georges à la poche bleue, faites attention cette semaine, n'invitez pas David Saint-Germain, gestionnaire, <laughs> ancien gestionnaire du groupe CH chez le Canadien, tout de suite. Soyez patient, attendez. David, comment ça va? Hey, ça va bien toi, Max? Yes, très bien. Tu sais que je peux enfin mettre un visage sur la voie de mon gestionnaire, mon gestionnaire de billets de saison, yeah. Tu mon gestionnaire de 2016 à 2021. Oui, absolument. Puis, tu sais, travailler pour le Canadien de, de l'extérieur, moi, ça me fait triper dans ma tête. C'est le top job à Montréal. Tu animé un podcast avec Jean, Jean Trudel, puis ouais. deuxième job, c'est Drive le Canadien. Hey, je vais avoir fait <laughs> les deux, moi. Ouais, ouais. Yes. <laughs> Checklist, les deux. C'est-tu aussi cool de l'intérieur que ça ne l'air de l'extérieur? Ah, écoute, je suis obligé de dire non. Ok, euh, Moi, je ne suis pas là pour faire du bashing ou quoi que ce soit. Je suis là pour dire les vraies choses. Quand... C'est sûr quand j'ai commencé, un passionné du hockey, il euh, y... y a des bons avantages aussi pour travailler au Bloc canadien. Comme je dis, à chaque matin, tu rentres, tu t'en vas à ton bureau, puis... Tu te de d'abord, puis tu as, as la glace du Sandbell ouais. qui est là. c'est écœurant. Tu vois sais, ouais. tous les gradins, c'est là. Tu rentres dans ton, dans ton bureau, tu as des choses des Canadiens partout. C'est hors, hors norme. C hors tu peux te promener dans Sandbell, je pensais. Hein? Tu vas ouais, aller faire Oui, des... Oui, ouais, tu peux aller faire une... Tu sais, à un moment donné, tu peux aller prendre une marche. Tu sais, tu t'en vas dans les rouges ou tu t'en vas dans le club de jardin ou tu t'en vas à haut peu importe, tu que tu. Tu travailles dans le centre belle. Ça, c'est ouais. super cool. Puis les avantages, ben, tu sais, je ne le cacherai pas, je suis allé voir des games du. sais ben, premièrement, c'est sûr que je travaillais presque à tous les matchs. J'allais voir mettons, une trentaine de games par année. Mais aussi, c'est que le club nous invitait euh, quelques fois par année, souvent dans une loge où on pouvait inviter notre famille. Fait que moi, les, les premiers games de mes enfants, tu sais, ils ont vu ça dans des loges. C'est hot. Ou tu sais, des spectacles. Souvent, on avait des. T'sais, presque tous les spectacles qu'on qu voulait, on pouvait aller les voir si on voulait. T'sais, ça, c'est des, des très bons avantages, on se le cachera pas. Euh, là où c'était peut-être un peu moins, euh, moins gratifiant, c'est qu'il y a encore la vieille, est une vieille mentalité. On, on compare le Canadien à un gros, gros, gros paquebot. C'est difficile de faire changer une direction, à un gros mm -hmm. paquebot comme ça. C'est une vieille mentalité qui malheureusement est encore présente. C'est une vieille mentalité de, écoute, si c'est pas toi, ça va être un autre. T'sais, ils doivent avoir de ça des de absolument fait qu'ils traitent leurs employés comme leurs détenteurs de billets de saison <laughs> écoute c'est un peu sûr malheureusement <laughs> non, mais ben, malheureusement vrai que sauf que tu attends sais, minute, par exemple toi, tu sais toi tu te rapportais à ton gestionnaire de compte puis ouais. les gestionnaires de compte on était, ben sur, la, on était sur la coche là, quand même là. on recevait des, des, des quand on recevait des téléphones des messages vocaux des messages vocaux ben des courriels on répondait c'était pas trop long on était vraiment très présents pour eux malheureusement on était Toujours pris entre, entre, entre l'arbre et l'écorce. Il fallait être corporate, pas trop parler contre la compagnie, mais d'un autre côté, on sentait la colère des, 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 des clients, des, des détenteurs de biens. Ils étaient fâchés pourquoi? Les clients, c'était quoi les exemples de plaintes que tu recevais? Ah ben écoute, je te dirais que le, le plus gros tournait toujours autour des prix. T'sais, à un moment donné, tirer l'élastique, il y a des limites. Puis il y a la capacité de payer aussi, qui, qui a des limites. Euh, pour les gens du peuple, ben à un moment donné, au début, les gens, on savait, là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des billets, des billets de saison, ils revendaient, ils en revendaient 35-37 paires pour essayer d'aller voir 2-3 games gratuitement, si ouais. on veut. Mais t'sais, je dis gratuitement, il faut quand même que tu te casses le bécique pour vendre 35-37 ouais. paires durant la saison. Tu sais, c'était pas une mince tâche, mais tout ça pour dire qu'à la fin, mais leur nanane, c'était un 3-4 games. Mais à un moment donné, quand tu augmentes le prix, tu augmentes le prix, tu augmentes le prix... Là, les gens, ils se sentent ils sont étouffés. Là. Puis là, il y, a, il y a une capacité de payer qu'ils sont plus capables de faire. Puis là, quand tu revends, bien, c'est que plus tu augmentes, bien, tu ne peux, peux pas faire autant de profit sur ta paire. Fait que là, en bout de ligne, tu te fais tout ça. Puis ça vaut pas la peine parce que tes deux, trois games, te coûte quasiment le même prix que. Puis les, les, les gens, mettons, OK, expliquent du prix. Il y avait eu du chiolage pour les billets quand ils sont passés de carton à numérique. Tu le ressentais-tu, ce chiolage-là? Écoute, ça, ça a été l'enfer. Ah oh, ouais Alors ça ça a été l'enfer. ah moi ça m'a ah. brisé le cœur ah, ah non écoute puis moi ça a brisé mes oreilles on t'a dit que... <laughs> <laughs> la boîte de courriel mettons ah, celle okay, regarde bien ça euh, j'avais eu à cette époque là parce que moi j'étais dans l'ordre alphabétique le premier c'était en ordre de prénom fait que David les autres tu sais toutes les Ils étaient après moi fait que moi j'étais le premier quand qui envoie quand envoie les les batchs de renouvellement comme ça c'est des courriels qui sont envoyés automatiquement Fait que là il envoie la batch de David Et David là à un moment donné, il se demandait ce qui se passait sur un moyen-temps parce que là, mon téléphone, on avait deux, trois lignes là, par, par, par gestionnaire. Puis là, ça sonnait non-stop. C'était un arbre de Noël, mon affaire. Mais là, <laughs> écoute, c'est la première fois que je fournissais pas. Là, je, écoute, j'en je oh, revenais ouais. pas. Puis toute la journée, tout ce que j'ai pu faire, c'est de prendre en note les, les messages vocaux que je recevais dans ma boîte de courriel. J'en avais eu 127 j'avais combien de clients, mettons? Je n'avais autour de 1000. Mais 125 c'est pas même... tant que ça. Ben, Max, sur 8? Max m'appelle à peu près 125 fois par jour. Fait que, tu sais, moi, je suis <laughs> capable de gérer <laughs> attends, ce attends, le gérer, Attends, Jean outil... ne m'appelle pas pendant 5 <laughs> jours, il est disparu. Puis là, il revient au Québec, man. Ah, oh, là, bang, bang, bang. bang. Je peux-tu t'appeler au ouais, 11h, 30 ni... jean ouais, Pas grave, <laughs> ouais. différents comportements. Ça ça, ça, ça a été une des pires journées au dans... Centre Écoute, ça, puis, puis avec raison, on a tiré sa la plaque de façon drastique. Alors, tu as l'expression « rip the band-aid », je peux ouais. comprendre, mais là, ça a été, les gens tenaient à ces billets là puis je pense pas qu'on était prêts. Non seulement les gens n'étaient euh, pas prêts psychologiquement à ça, mais même nous autres, on n'était pas prêts avec notre application l'application du canadien oh. c'était un désastre. Ah oh in. il fallait que tu un login avec l'application du canadien puis un autre login avec Ticketmaster puis dans le app du canadien il fallait que tu te logins. avec le club 1909. Tu... Ah oh. hey, oh, ouais, ça a dû leur coûter eux ils ont dû se faire fourrer par la compagnie technologique ah, en fait, C'était horrible honnêtement. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi on avait les billets euh, il y avait les billets cartons, tu sais, les fameux billets cartons que tout le monde avait. Puis, tu sais, on avait l'option des billets électroniques. Ça, c'était merveilleux. Tu envoyais ça par courriel, tu recevais un PDF, tu pouvais le faire imprimer ou scanner directement ouais, sur le téléphone. mais les fraudeurs, ils sont gâtés là-dedans. <laughs> ben, C'est sûr que, écoute, il n'y a jamais de formule gagnante à 100 Par contre, là, tu sais, tu passes de ça, qui était popé, à des billets mobiles. Des billets mobiles, tu sais, des... Les fameux PDF, tu peux les faire imprimer de chez vous ou ouais. à la job si tu voulais. Les billets mobiles, là, c'est pas tout le monde qui avait un téléphone intelligent, là. Ah non, Gérard du Saguenay, là, qui ben, part... Mon euh... père, j'ai voulu aller au hockey avec, lui a envoyé son billet, il donne un billet. C'était impossible. Il y avait un téléphone flip, là. Exactement. Il y a encore un téléphone flip. Euh, là, <laughs> en tant que détenteur de billets de saison, on... ancien. Ouais, ancien Vincent <laughs> Vincent euh, et Lucie et t'sais? sais, Moi, dans le fond, c'est que je pense que dans un bien de luxe, c'est pas nécessairement le prix qui va venir déranger les gens, c'est l'expérience. Puis moi, c'est ça qui m'avait un peu surpris. J'ai chialé là-dessus avec Kevin Gilmore que j'étais comme... J'ai été détenteur de billets de saison pendant des années, on m'a donné une casquette. Tu sais, les biens en carton. Fait que là, c'est comme si, on va dire, en tant que détenteur de billets de saison, t'as pas de, de petit Perks, le fun intéressant, puis j'ai comme l'impression que, que le Canadien il a comme oublié ça. Moi, ça m'a. Ben là, depuis quelques années quand même, il euh, essaye de ramener ça. Oui, Il y a pas eu choix. une casquette. Euh, à chaque année, il essaye de donner des petites choses de La de quoi des petites choses Une casquette, une fois après ça Une bien, carte cadeau de 150$ aux concessions ou 250$. Bien, et, ouais, là, en fait, là, maintenant, c'est un pourcentage sur combien que ça te coûte. Tu sais, moi, j'en ai quatre billets de saison. Okay? Moi, j'ai quatre billets de saison, ça me coûte, mettons, 20 000 par année. Ce ne sont pas des rouges, ce sont dans les blancs. Là, j'ai à peu près 1 de ce que ça me coûte avant taxe. Fait que, mettons, 16 000. Fait que, mettons, 160 à dépenser au consommateur. Ah, mais ce pas un goodie, ça. C'est juste un rab. Je... Mais moi, je pense que ce que j'ai changé ma perception maintenant, c'est qu'il faut que tu changes tes attentes. faut que tu baisses tes attentes. Que dans le fond, quand tu es un détenteur de billets de saison, T'es pas si spécial que ça, tu t'es pas comme si important. Mais à 20 000, tu devrais être spécial. Ouais. Ben, à 20 moi, 000 pièces-là, moi je devrais je me être que spécial. il y en a qui c'est bien plus que ça, là, puis je suis pas en train de. de... Moi, ça me coûte 20 000, mais j'en ai quatre. C'est quoi, un, mettons, un compte impressionnant de quelqu'un ça, ça ressemble à quel montant, mettons T'as tu du monde qui dépense 100 000 Oui. Ah ben oui. 200 ah ben, 300 Ben oui. Mais là, Par on, année? Parle, on parle juste des billets de saison, là. Ouais, juste des, des billets de saison. On là. parle pas des loges. Ouais, moi, j'ai des gens qui ont huit billets d'un rouge plus une loge. Il ah y, y, y a-tu quelqu'un en... qui dépense un million par année? Non. T'sais, on va mettre un plafond, là. Ah, écoute, ça doit pas être loin. Mais là, il ne faut pas oublier, c'est des compagnies. Là. Ouais. Là, oh, pour... Mais c'est du cash pareil. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont lâché les, les, les loges aussi. Parce qu'une loge, là, là, on va parler d'une loge prime, au troisième étage, au centre de la glace, qui a tous les shows, toutes les games du Canadien. 16 les... personnes. 12 personnes. 12. Les séries, quand ils font, quand ils font pas, ils ne remboursent pas, là, on s'entend. Avec les, avec les bar bills, euh, donc la nourriture et la ouais. boisson, c'est 400-500 000 par année. Puis c'est des contrats de 5 ans. C'est quoi le perks euh, » ou on faisait comme l'avantage que tu as déjà donné à un client, que tu avais un client là, qui était vraiment, on va dire, fatiguant ou incitant, que je sais pas, là, lui il disait, je sais pas, on va dire, à mon mariage, je veux que ça soit carry Price. Oh, oublie euh, ça. Oublie ça, ça. Ah non, le plus gros cadeau, mettons, que j'aurais pu te donner, ouais, bah, bah, c'est que, <rire> <rire> Mais, honnêtement, euh, on n'avait pas grand-chose à offrir, nous autres, là, en tant que, que gestionnaire. Là. Euh, on pouvait, durant un match, accueillir euh, les clients dans un salon privé où ils pouvaient avoir l'alcool, par exemple. Il m'a amené dans ce salon-là une fois. Tu ouais. t'en souviens-tu? Oui, exact. Il m'a amené entre la 2 et la 3. Puis qui salon. est arrivé? Marc Bergevin. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Il est passé à côté de moi, il a eu comme une, un regard, mon regard pendant une fraction de seconde. En dit, il me me dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ou sinon, ben, il me trouvait juste mal habillé, mais je suis sûr qu'il m'avait reconnu. Mais, non, mais c'était son nom naturel. <laughs> ouais, c'était son... <laughs> mais... pas facile, le soulage Marc Bergevin. Là. Ah ouais, tu le côtoyais-tu beaucoup? Euh, ben... Non, pas tellement, mais c'est pas juste de côtoyer Marc Bergevin, c'était de le reste de l'équipe, à quel point on, on y était sur les dents. Tu sais, nous, là, on avait l'avantage, euh, un, des, un des produits là, spéciaux qu'on pouvait offrir, offrir, pas donner, là, mais vendre, c'était l'expérience ultime. L'expérience ultime, là, je, je vous le dis rapidement, là, le client arrivait dans le parking des joueurs avec un stationnement à son nom. Cool. Il y avait deux chandails autographiés des joueurs de, de son choix. Nice. Ensuite de on l'amenait dans un... Au restaurant La Mise au jeu, qui est le restaurant privé du Canadien, buffet gastronomique. Euh, tu sais, là-dedans, là tu de tout bouteille de vin, apéros, némite. On faisait le tour de la galerie de presse. On allait voir tous les intervenants qui y travaillaient, en commençant par les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs, les broadcasters, les journalistes, les. Euh, Diane Bibo, on finissait par elle. Ensuite de il y avait les deux sièges, la première rangée en arrière de kerry Price. Wow. Oh. Ensuite, on les amenait dans le salon privé que je te parle. À ce moment-là, tu sais, moi, je. Je vais parler pour moi, là. je disais aux clients, venez-vous-en, après la première, je préparais leur drink. Il arrivait, il n'y avait pas de line-up à faire, il y avait leur drink de près. Ensuite de ça, après la game, on allait dans le vestiaire avec les journalistes. Oh. Là, naturellement, ils ne posaient pas de questions aux joueurs. Là. C est, c est, c est les... Mais on leur montrait comment ça fonctionnait. Donc on restait aux abords du vestiaire, puis on regardait. Puis on leur disait, il y a un ou deux joueurs qui va arriver, après ça, c'est un ou deux autres. Puis là, on, on leur ah, montré... Peut-être dans, oh ouais, dans les coulisses. Moi, j'en vrai parle. Puis ah, hey, moi, j'en parle. C'est toute une expérience. Moi, 50 fois, je le faisais. J'avais encore des frissons. J'ai envie de l'acheter là. Oh, là hey, existe fait, cas, ça existe ouais, encore, ça? Oui, c'est à peu près 4 000 pour deux personnes. C'est ça. 2 000 par ouais. personne? À peu près. T'sais, pour la soirée. Puis là, après Premier ça, match ben, de la saison. Yo, man! OK. Ça, c'est peut-être un peu plus prime. Puis là, après ça, on allait à la conférence de presse du coach. Puis là, après ça, on avait la chance, des fois, entre si ça fonctionnait bien, si jamais il venait de se faire. Planté 8-0, on finissait la soirée là. Sinon, si c'était pas si pire, ben on pouvait attendre entre le vestiaire des joueurs puis le salon des femmes qu'on appelle ou le salon des familles. On, on restait là aux abords avec les clients. Puis là, quand les joueurs passaient, on leur demandait une petite photo. Ça prenait 10-15 secondes, puis la plupart acceptaient. T'sais. Fait que ça, on, on l'offrait, ça, ça, c'était vraiment, vraiment. Et okay, cool. puis Marc ouais. Bergevin là-dedans, parce que t'es arrivé là par rapport bon, à Marc. Ben, c'est ça. Fait que là, quand on était aux abords du vestiaire, là... Nous, on se faisait regarder comme si on était de la marde. Uh, Puis là, c'était... Par Marc Bergevin. Genre, tu nous déranges. Marc Bergeron, il n'était pas là, mais à la garde rapprochée, tout ce qui était communication, tout ce qui était gérant d'équipe, gérant de vestiaire, gérant de, de l'équipement... Euh, mais j'avoue que ce groupe-là qui n'aime pas voir des anciens passer là et qui leur disent de prendre un autre corridor, ben d'arriver, oui. ben c'est oui. sûr qu'ils ne devaient pas filer sur Jean et Max qui ont acheté un billet 2000 et qui sont ah, à côté. Quand même, les clients ont quand même payé 4000 pièces ouais, ouais, ça, tu es, es obligé. là, ben à là, un moment donné, c'est grâce à ces gens-là. C'est pas juste ça, c'est oui, les billets de saison. Oui, les loges corporatives, c'est ça qui est ultra payant. Non, mais c'est ton client roi. est roi. Ben, de... Exactement. Puis là, il a payé 4000 tu dis Hey, on peut-tu lui offrir quelque chose, de, un bon traitement VIP t'sais, Pas de se faire regarder comme si on était des moins que rien. Puis tu sais, c'est déjà arrivé à un moment donné à un de mes collègues que euh, c'était-tu Boudai ou c'était-tu Tokarski, je me souviens plus trop, ou c'était Condon. C'était Condon. Mike Condon. Wow. Condon. Fait que là, il était. Mon client était avec un, un, un enfant qui était en chaise roulante. Puis là, Condon il voit ça. C'est sûr que c'est possible. Il y avait ben de l'empathie. Lui. Ouais. lui, il se lève, puis il va voir mon, il va voir l'enfant, le, puis il dit, hey, sorry, we try but we lose the game but happy to, to see you here. Cute. Fait que, ben oui, tu Il n'y a pas besoin d'être là un heure là. Absolument pas. Mais hey, mon collègue s'est fait ramasser. C'est oh, ben ouais, alors. Ben fait... Écoute, il était premièrement, il n'était avait, il était même pas un, un coup que l'expérience fut terminée là. Il était même pas rendu à son bureau pour aller chercher ses affaires, qu'il avait. Téléphone de notre boss. C'est quoi le négatif, man, à ça, Dave? Pour Parce vrai? On n'est pas supposé parler aux joueurs. Mais là, non, mais là, il faut se mettre en contexte. C'est pas, pas, pas nous autres qui allons vers les joueurs. Mais tu comprends-tu? C'est ça, la garde rapprochée des joueurs. Oh, Puis avec Marc Bergevin, c'était. Aujourd'hui, c'est moins payé. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins payé, mais c'était atroce. Pis, faut que faut que tu me parles de joueurs, là. OK. Les gars, les joueurs, ils viennent des fois parler par eux-mêmes aux clients. Ouais. Tu as été à tu as vendu tes produits, tu en as côtoyé des joueurs, tu en as vu. Il y en a un qui était vraiment, vraiment cool? As, tu dis que tu voulais avoir du positif, c'est le moment. Il y a-tu un <laughs> joueur qui était vraiment Écoute, hot? Pour être honnête, il y avait des joueurs qui étaient euh, qui, qui étaient vraiment généreux, euh, mais qui étaient plus dans l'ombre. Je parler, On parlait beaucoup des, euh, de l'implication des joueurs. Euh, Jonathan Drouin chez Weber avec, avec leur. Euh, eux autres ils achetaient des loges. Ils achetaient une loge annuelle pour inviter les enfants durant les games. C'est pas Gomez qui avait commencé ça? Écoute, ça je pourrais pas te dire. Mais tu sais, tout ça il y en pour avait dire, aussi. Ouais. Mais ouais. tout ça pour dire que ils se pétaient pas les bretelles des médias pour annoncer ça. Par contre, nous, on le voyait. Mais il y en a un qui va me. Puis là, je sais que ceux qui me connaissent, ils vont dire il y avait un parti pris. C'est lequel des frères Costisticienne. Ah. <laughs> 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 moi, c'était Carrie Price. Là t'es genre de gars qui a un tatou de Carey Price tellement que t'es fan. Ouais, puis Dryden. Moi j'ai <laughs> Price. C'est vrai en plus, hein? j'ai Price, <laughs> ben, Price pis Dryden. Pour moi ça a été les deux gardiens les plus. Attends, t'as pas Patrick Roy du Canadien je parle. Les deux meilleurs gardiens du Canadien. Mais Patrick Roy il a joué pour le Canadien. Il a, pis il a gagné Canadien, deux mais... coupes Sandling. Oh. Oui, mais ok. C'est que t'étais qui les défenseurs dans ce temps-là? T'en souviens-tu? On avait en 86? Euh, en 93, on avait Jean-Jacques Daigneault. Non, 80, Eric Desjardins. Desjardins. Ouais, Ben, quand même, Desjardins, ouais. ben non, non, mais c'est bon, mais je ah, dire... oui, ouais. En 86, t'avais quand même... Rocket, Arrête, Dryden, tu te donnes l'alignement de Dryden? Non, je te... non, ça, je comprends. Ouais. Mais tu sais, quand tu regardes les statistiques, pour moi... Puis tu sais, je sais que les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux, là. Mais regardez les statistiques en saison régulière, puis en série, c'est Dryden Price, 1-2, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le plus victorieux, ouais, c'est Price. Avait, avait, avait... Mais Price, n'avait pas d'équipe. OK, mais Price, je ne t'argumente pas. Mettons, Dryden Roy, l'argument que tu dis, as-tu vu la ligne non, Moi, le fait, c'est que ah, ouais, il ah, de la non, Là, je te parle juste des statistiques. Roy, il n'est jamais premier. Puis tu sais, parle-moi pas des coupes, parce que moi, dans le fond, là, moi, je vais toujours comparer ça à Raymond Burke. Raymond Burke, là, s'il si avait il y fait comme coupe. Carey Price, parce qu'il est allé au Colorado, s'il était resté à Boston, y aurait-tu gagné une coupe? Non. Jamais. Est-ce qu'on est qu aurait douté... Que c'est le meilleur défenseur de son époque à cause de ça? Ben non. C'était vraiment le meilleur défenseur de son époque. Puis s'il bouge pas de Boston, il gagne pas de coupe pour autant. Fait que là, oui, il est allé en Colorado pour gagner une coupe. Mais sinon, il n'a pas gagné de coupe, ce gars-là. S'il était resté à Boston, comme Price l'avait fait au Canadien, il n'aurait jamais gagné de coupe. Fait qu'on ne peut pas se baser juste sur les coupes stanley selon moi. Pourquoi, Je comprends ton point. Pourquoi Price était cool? Price, là. Tu sais, souvent, les gens... Tu sais, Price est très polarisant, puis je comprends pourquoi. C'est quelqu'un qui, avec les adultes, avait pas le tour, du tout, du tout. Je sais pas si c'est parce qu'il venait d'une petite communauté plus retirée. Fait que, tu sais, peut-être que lui, avec euh, son aspect social, était peut-être pas autant développé que, par exemple, piquet, Sobun. Mais Kerry Price, moi, je l'ai vu faire des choses que j'ai pas vu aucun autre joueur faire dans les six, sept saisons que j'étais là. Entre autres... Euh, après, après la, la, la game, Price, faut il faut qu'il réponde aux questions des journalistes. Il n'y a pas le choix, c'est dans, dans les il de ça. Ça. Il aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il pas ça, puis il pas ça être en présence d'adultes qui sont malades mentales d'être à côté d'un joueur du Canadien. T'sais. Irrationnel, ouais. comme dirait ouais, Tu sais, il, il arrive dans la ligue, il y a 20-21 ans, puis là, tu côtoies des adultes qui, en ta présence, veillent sur le top, qui, sont, qui perdent toute notion de respect, puis tout ça, fait il était pas il n'était pas à l'aise d'être de, avec des adultes, vraiment, à part ceux qui connaissaient okay. bien. Mais sinon, là, en, en présence d'adultes qui ne connaissaient pas, il y avait pas le tour. Ça, je ne donne pas, il n'avait pas le tour. Par contre, cette fois-là, il répond aux questions des journalistes. Il prend même pas le temps, il est en, il est en combine, on s'entend, il n'est pas en bobette, là mais il ne prend même pas le temps de changer. Il sait qu'il y a des enfants qui attendent après lui. Il s'en va dans l'antichambre, si on veut, il, 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 il fait le tour puis il vient voir les Canadiens, il est à genoux avec les, avec les enfants, puis il parle avec eux autres, puis là, tu vois qu'il est dans son élément. Tu le vois qu'il est dans son élément. Dans ses yeux, tu le vois que le gars, il prend le temps, puis il a le tour avec les enfants. Parce que les enfants, là, ils n'ont pas la stupidité que les adultes ont. <laughs> ben c'est pas à dire, mais c'est ça. Tu sais, les adultes, ont devient stupide, genre. Puis tu sais, l'expérience ultime que je comptais tantôt, ah oui. là, il y en a un, là, que j'ai toujours obligé de pogner par le collet, de reculons, parce qu'il s'en allait faire un câlin avec un reprise en chambre. <laughs> ben, pas, pas, ouais. pas parce qu'il a payé 2000 qui est plus bright non, que d'autres. Non, Fait que là, tu il fallait, là, fallait. Tu vois, ça, c'est ouais. stupidité. Fait que lui, j'ai arrêté son expérience ultime. J'ai dit, toi, ça, ça vient de se terminer là. Ça faisait cinq fois que je l'avais avisé. Ah, oh, la, ouais, c'est un soirée. gars de genre 40 ans, 50 ans. Ah, oui, absolument. Ça doit tellement changer leur, leur façon de se comporter que tu as 20 ans, tu as 21 ans, puis quand tu clair. rentres dans le building, ouais. en plus d'être adulé, le monde autour de toi, tu es obligé de regarder à terre ou de te, 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 te coller d un mur comme un, du papier peint. Ouais. Parce que c'est comme, oh my God, Gal s'en vient. tu sais, Regardez pas à terre, là, il est un petit peu hangover, euh, il est grumpy. Euh, ouais, il y avait deux jours qu'il est là, il. Il est tout tiré Puis lui, il était haï par tout le monde. Kalchenyuk? Ah, oh, qui était haï par tout le monde. À l'interne? Ah, oh, pas à l'interne. Oh, pis... Donald Beauchamp avait dit le contraire à un oh, moment donné non, quand eh... j'avais un scandale. Il comme, ah, tu sais, Jean Alex <laughs> Kalchenyuk, on, on l'aime beaucoup, ouais. c'est un bon petit il, gars. Es comme, es... Les gens de la Fondation là, le détestaient. Ils le détestaient. C'était un être humain exécrable. À tout point de vue, là. Vraiment, là. Fait que, tu sais... Autant là, t'as ce, ce genre là mais tu sais, t'as comme des, des gars comme Price qui prenaient toujours le temps avec les enfants. Il y avait plus de misère, je te dirais, avec les adultes, mais avec les enfants là, il était top. T'as parlé de chez Weber. Ouais. T'as parlé de Carrie Price. Tu viens de parler de Galchenyuk. Euh, t'as parlé de Drouin. T'as parlé de Gomez. Je suis curieux, Piqué, Souban, il était comment avec vous autres ou avec les gens qui étaient à Lanto? Écoute, moi là, je l'aimais bien jusqu'à ce que. Oh. Okay? Oui. C'est oh. ça. Puis là, je veux juste, tu sais, je sais qu'il est bien aimé, il est tout ça, aussi polarisant que Price dans le fond, ces deux là, là c'était, tu sais, thème où tu détestes. Puis là, je veux je, je veux pas qu'on prenne mes mots là pour, du... mais l'important, ok Là, je vous le dis l'important dans ce qu'il a annoncé, dans son don. Ouais. Ok. On, là, on va se le dire, il a pas donné une scène. Là. Oui, c'est qu'il s'est engagé à, à, ramasser. à ramasser de l'argent. Mais ce n'est pas moins louable. Là. Non, non, c'est un bon. Mais là-dedans, c'est quoi? C'est que les enfants aillent le 10 millions. OK? De base, Au là, final, s'il y a 10 millions ça, à l'hôpital, tout le hey, monde est content. C'est important. Mais. On est d'accord. Fais juste attention à ton wording. Arrête de dire que tu as donné 10 millions. Oui. Tu sais, fait que tout le monde dit, ah, il est tellement généreux. Puis, ah, oh, un tel n'a pas fait ça. Un tel n'a pas fait Ah, non, attendez, là. Comme j'ai dit, euh, tu sais, euh, Price et Angela. Il donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup aux œuvres. C'est juste que c'était souvent. Il y a, a peut-être euh, peut elle là, qui, euh, qui faisait un peu plus de posts, mais lui, là, il, tout ce qu'il voulait, c'est de rester dans l'ombre. Drouin, Weber, Gomez, qui offre des loges. T'sais, à un moment donné, ça, c'est. Hey, mais c'est pas pour ça. Je suis sûr que là, c'est un intro où tu vas amener une intro parce que, que je, veux pas, je veux pas qu'on soit. C'est ça. Il annonce son don. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, tu, tu travailles pour le Canadien. Tu as, as signé un contrat avec le Canadien. Tu as signé un contrat de, 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 de 80 millions. Fait que tu es engagé envers le Canadien. Mais là, après ça, c'était très difficile pour la fondation d'aller chercher des choses avec lui. Oui, parce que le don, ouais. il n'était pas en fondation. Il était à non. part, il était à une autre, -ou -ou un autre l hôpital. hôpital. Oui, hôpital pour enfants. Directement. Oui. Fait que là, c'est correct, c'est pas grave. Ouais. Mais il ne faut pas que tu craches non plus dans la main qui te, qui te nourrit. T'sais. Puis moi, à, je, là, je, ça ne pas des « c'est quelque chose qui est arrivé personnellement. L'expérience ultime. On finit toute l'expérience. On finit la conférence de presse du coach, on est entre les deux rideaux, puis on attend que les joueurs passent. Qui qui passe Piqué et Soubun. Euh, il, il part, fait que là demande, en anglais naturellement, mais je demande hey piqué juste écoute c'est 15 secondes, c'est pas plus prend quand même un risque pour pas te faire taper ça. T'sais... Non là on a... ça, ça on est autorisé, tu sais okay. quand tout est fini, quand tout ça est fini ils sortent avec leur lunch, ils vont chercher leur femme ou leur famille. Okay, à ce moment là as le droit, fait que es pas illégal. Es... Non, 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 ça, un non non ça dans un contexte légal, ça c'était correct. Okay. correct. Fait que tu sais on, on prenait des 15 secondes une photo puis c'est tout, merci d'être venu, puis la, la plupart était super sharp. Là lui, il il passe, il dit, je lui demande, tu peux-tu 15 secondes? Ah, il dit, ça sera pas long, je reviens, il dit, je m'en vais voir mes invités. Pas de problème, tu sais, je demande 15 secondes. Fait que là, 15 minutes, 30, 45 minutes, Une heure. Là, je fais, fuck, c'est bien long. Là, il revient après 1 heure. Là, j'ai piqué, là, je fais signe, puisqu'il s'en allait, lui, il s'en allait, là. Ah, il dit, ah oui, c'est vrai. Fait que là, il arrive, puis il dit en anglais, combien ça va me donner, cette photo-là? Écoute, j'aurais voulu. Être en dessous du béton du Sandbell. Là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, mes clients viennent payer 4000$. Fait que là, c'est comme un. J'essaie de, de faire passer ça, demi-joke. Les tiens, clients un ont, entendu. Ben oui, ils ont entendu? Bien oui, ont entendu, tu sais, puis ils m'en ont parlé après. Là, là tu es comme à demi-joke, demi-souris, <laughs> bonne joke, piqué, mais alors, tu sais que, tu connais, tu, tu sais que depuis une coupe de, de jours, une coupe de semaines, qui ne fait plus rien pour la fondation parce qu'il veut garder ses exclusivités pour euh, sa propre fondation. Là, es là, OK, puis les il, il prend la photo, puis ça prend cinq secondes, il ne dit pas un mot, puis il s'en va. T'sais. Fait que là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, je comprends, là. Je comprends ton point de, de vouloir garder ton exclusivité pour ta fondation, puis tu sais, les chandelles signés, puis tes bâtons signés, puis tes photos signées, tu veux garder ça pour ta fondation pour que ce soit moins at-large. Sauf que oublie pas une chose, c'est que le contrat, tu viens de signer, tu viens de le signer pour le Canadien, puis eux ont une fondation aussi. Mais là, c'était pas pour la fondation. Là. Quand non, là, non, mais c'est tes les même clients qui sont partisan. là payent ton salaire. Exactement ça. Final, là. Fait que ça Ça, écoute, oh, depuis oh, ce temps-là, oh. j'ai dit « wow oh. ». tu sais, tout ce qui s'est passé à Nashville avec son, son cellier et tout ça, c'est d'enchantement. Pas... Moi, je suis pas tombé en bas de ma chaise. Là. Ouais. Mais là, tout ce que tu viens d'expliquer, ça me fait comprendre un truc. Quand Piquet avait lancé son espèce de fondation, collecte de fonds, il a fait un événement dans un bar sur Saint-Laurent, puis il vendait un T-shirt. C'est quoi non plus son slogan? J'allais déjà oublié Change the game ». Okay. cest tu ça? Change the game? Ouais, ouais, ouais. ouais on va dire. Il avait, il avait fait un T-shirt, il a fait un T-shirt, puis il vendait le T-shirt, je sais pas, genre 100$, puis t'allais à l'événement privé. Puis moi, j'étais allé, puis t es, je tripais, puis il m'avait invité, puis c'était cool. Mais quand j'étais allé à l'événement, j'avais été vraiment surpris que il n'y avait aucun joueur du Canadien. J'étais un peu comme, attends, c'est dommage bizarre, là. C'est comme, on dit c'était comme un jeudi soir, il n'y avait pas de game avant le samedi. Il y avait sûrement un jeudi que les gars pouvaient sortir, puis j'étais comme, ça, il a juste piqué, puis il y avait eu Mathieu Dash qui s'était pointé c'est un peu comme c'est bien bizarre que ouais. tous les autres boys le, le party était cool tout mais là dans le fond ce que tu m'expliques c'est que les gars ils ont dû voir que P.K., les événements de la fondation ils se pointaient pas mais pour ces événements ils étaient là puis là dans le fond ils demandaient à ses chums c'est comme s'il avait dit à ah, Carrie viens à mon, à mon party mais là Carrie il est comme moi ouais, mais là toi t'es pas venu au party de la fond le déjeuner pour enfants t'es pas venu au déjeuner pour enfants mais toi tu monde demandes de venir à mon party fait que c'est ça qui a créé un peu une, un genre de malaise que oh, c'est genre... clair puis tu sais on se le cachera pas là tout le monde est bien content qu'ils partent là chez le Canadien? Ah oh, ben oui. Ben, tu, je ben, pense attends, que, euh, attends, 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 attends. D'invente? Euh, euh, ben d'invente un peu, tu sais, parce que tu sais ce qui s'est passé là. Ok, d'invente un fun. peu. Je veux même pas savoir. Marketing? <laughs> T'es tu content? Avec ah, Apple, Apple? Probable, probablement pas. Ok? Euh, les com? Oui. Ah oh, ben oui. Les ah, joueurs? Ah oui, ah oh, oui, oh, oui. Oh, surtout. Oh, les oui. coachs? Ah oui. Ben tu sais, c'est sûr que coach, je te dis oui parce que c'est vraiment le feeling qu'on avait là. Ouais, ah oh, ouais. Wow. Il, a, il a déplacé de l'air tu sais c'est pareil ouais. d'avoir quelqu'un d'exubérant c'est pas grave d'avoir quelqu'un d'exubérant là euh, vie sociale là, parce que vu que le canadien moral c'est une business comme toutes les autres on sait des fois il y a des affaires euh, romantiques dans les, euh, dans les compagnies. compagnie fait que ça ressemble à quoi moi, un party de noël là, quand marc bergevin est là euh, tu des, des petits potins? Là. là on est vraiment dans, dans mon <laughs> territoire là on est moins dans le mien mais écoute. non mais tu sais il y a ça on va dire genre une la chef légale qui couche avec un coach ou le DG qui couche avec une bosse. Ben, tu sais, il y avait il y avait des choses qui étaient connues, là. C'était même pas euh, c'était même pas caché, là. Euh... Mais comme Marc Bergevin qui fréquentait ou qui sortait avec France Margaret, c'est vrai ça. Écoute, je peux euh, je peux, peux, peux dire que tu sais, Marc Bergevin euh, y a, y a vécu une vie sociale quand même mouvementée, hein, mon À l'intérieur de la boîte? À l'intérieur de la boîte, oui, avec des personnes haut placées, c'est ça que je pourrais te dire. Ouais, puis c'était à, à demi caché là, d'un party de Noël, tu d'un party de ce qu'il faut comprendre, on était 3 4 500 là. c'était big là, mais c'était C'était pas privé arrêter la vie, la vie de... privée là, c'était ouais, en public. Tu as vu Marc Bergevin francher ah, au euh, party non, de bureau non, ça, ça, ça j'ai pas vu ça. OK, t'as pas, pas vu ça. Non, Mais se tenir Je par la main Je j'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. une question de questionner. Il se tenait par la main euh, y il avait, y, avait, y avait ce genre de, de choses. Tu ressentais les. par la main, Jean, puis ça veut rien dire. Non, là, puis écoute, <laughs> pis, même, euh, en, on, même dans les dernières games du Sandbell avant, avant la COVID, euh, tu sais, elle plus avec Marc Bergerin hein, à l'époque, elle était avec un, un autre joueur d'hockey. qu'elle était avec Marc Bergerin avant. <laughs> on a réussi. Il l'a dit. Euh, mais tu sais, elle était avec un joueur d'hockey connu qui, qui travaille à RDS en ce moment. Là. Ça, j'espère que je ne vous apprends rien, les boys. Hein. Euh, à, à, à qui ça? Oh, non, mais là, tu apprends... Euh... Oui, oui, bien écoute... Probablement ben, le meilleur joueur de centre depuis 30, 30 fous, ans, 35 là. ans. Ben oui. Et t'as que d'en fous. Ben oui, puis écoute, là, puis là, là, là c'était même pas couvert, je rentrais dans l'ascenseur. on s'en va avec ce Dans, dans l'ascenseur. Oh, la fin, euh, la, la, fin non, magistrale. C'est même pas l'ascenseur de l'administration. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la raconte. fin. Écoute une histoire, là. C'était <laughs> l'ascenseur public des loges. Fait que c'était pas un ascenseur qu'il y avait juste moi qui avait accès là tu moi c'est l'ascenseur que j'utilisais pour passer euh, des loges au troisième au cinquième ou maintenant euh, des jardins ou le grand public puis tu rentrais là puis c'était même pas caché là c'était dans ces tu sais entrelacé puis let's go là bah ben oui ah fait qu'on peut les croiser au poste candidat à Tremblant Salut Vincent. <laughs> Moi, j'ai une dernière question. Je suis juste curieux. Tu étais vendeur, puis tu es un bon vendeur. Aujourd'hui, tu es courtier immobilier, je pense. Oui, exact. Puis pour vrai, il y a bien des. Si tu vends ta propriété, la Cachigan, David Saint-Germain. Euh, Saint-Spoilit. Oui, ben oui. Comment tu aurais pris ça si tu travaillais encore pour le Canadien pour t'avais demandé de vendre un forfait? Venez voir, you... Youpi va venir à votre place pour 230$ quelques secondes pendant le match. Puis je rappelle, Youpi vise les enfants. Tu parlais beaucoup des enfants tantôt. Tu Comment t'aurais vendu ça? T'auras dit, oh ah non, je t'arrête ou... là, je pas vendu ça. Tu, 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 tu me dis que je suis un bon vendeur, puis je l'apprécie. Il y en a beaucoup qui trouvent ça péjoratif. Moi, au contraire, je trouve ça super positif. Pis, souvent, les gens me disaient, ah, toi, tu vendrais un Frigidaire, d'or, un esquimo. Je dis, non, je vendrais un skidou. Ah. Parce que je ne vais pas y vendre quelque chose que tu n'as pas besoin. Moi, ça a toujours été ça. Puis Écoute, dans tout, moi, une chance. Je ne suis pas manuel pour Saint-Saëns, mais j'suis, oui, je suis bon vendeur. Je vais toujours te, te conseiller du mieux que je peux. Puis ça, tu peux pas me demander de vendre ça. Tu peux, ça, 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 moi, ça ne fonctionne pas. Youpi, ça fait partie du Canadien. Ouais. OK? Fait que tu peux pas vendre ça. C'est impossible. Puis, c'est un peu comme si tu vas à Disney, puis il faut que tu payes pour aller voir Mickey Mouse. Tu, payes, tu tu vas à Disney, tu payes déjà la totale pour être à Disney. Là, s'il faut que tu payes pour aller voir Mickey Mouse, Minnie Mouse, puis Goofy, puis Shrek, puis ci, puis ça, honnêt, ça n'a même pas de bon sens. Tu es au centre-belle, tu payes ton prix. Déjà, déjà élevé. Déjà, t'es là. Fait que pour moi, tout ce qui est à l'intérieur, là, ça devrait être... Écoute, ça devrait être du... du, du, du... Ouais, ça fait partie tout du spectacle, hein? Ben oui. Yuppie, ça fait partie de ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est que tu t'en vas... Pour moi, en tout cas, là, c'est que tu t'en vas classifier. Fait que la famille qui est dans l'operable, qui paye ses billets... Puis puis, c'est peut-être le cadeau de Noël qu'ils ont payé, tu sais, ont payé des centaines de dollars pour être là tous les quatre, plus la bouffe, un autre 100, 200$ pour faire manger la famille. Le, le, le papa n'a pas pris de bière parce qu'il ne peut pas, ça coûte euh, 16$, mais je ne compte pas ça. Mettons qu'il a pris une bouteille d'eau à 8$, ça, je compte ça. Puis, <laughs> le sac de popcorn à 12$ qui coûte à peu près 4 cents, pas de, pas de farce, là. Ça coûte 4 sous le sac aux au Canadiens. Ils revendent ça 12$. Ça, j'ai un peu plus de misère avec ça. Tu sais, faire du profit, il y a des limites là. Fait que là, en plus... Euh, tu es en train de dire que ceux qui sont en moyen dans les rouges ou dans les loges peuvent avoir accès à Yuppie plus facilement que le, le petit peuple, appelons ça comme ça, là, les, 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 les gens du peuple qui, eux, ben, ont plus de misère à accéder au Sandbell parce que ça coûte trop cher. J'aurais. Écoute, j'aurais été le pire vendeur pour ça, je n'aurais pas vendu un. Je n'aurais pas à faire. Ça se vend-tu, tu penses? Sûrement Et... que ça, Mais moi, je pense que sûrement que ça se vend, moi je pense que des gens... Moi, tu vois, cette idée-là... Je, je comprends, mais de l'autre côté, exemple, c'est comme si tu vas à Walt Disney, puis tu as l'opportunité de dire que dans ta chambre d'hôtel un matin, c'est Mickey Mouse qui vient de porter ton déjeuner au lit. Tu sais, c'est quand même hot. Fait tu sais, moi, exemple, supposons que tu dis que tu offres l'expérience à quelqu'un qui fait quelque chose de premium. Tu sais, moi, quand tantôt, je te disais l'exécution. Moi, je trouve que l'idée de vendre Youpi vend pas quelque chose qui existe déjà gratuitement. Parce que grosso modo, avoir Youpi qui vient te voir à tes sièges, ça existe déjà. Okay. Mais supposons que tu dis, regarde, nous maintenant, pour 500 on peut s'arranger que Youpi vienne te livrer tes billets de saison. Ah. Là, là, c'est comme Hey, tu sais quoi, moi, c'est l'anniversaire de ma fille, sa fête, c'est le 20 septembre, ça tombe tout le temps dans date que je me fais livrer mes billets de saison. Tu m'appelles, tu me dis Hey Jean, pour, tes billets de saison, c'est 12 000 pour 12 500 si tu veux, Youpi débarque. Chez vous avec tes billets Mais il n'y a plus autres. de billets, dans l'application, on en parlait tantôt, mais je comprends ton point. Non, mais tu vient comme... te livrer ton téléphone. <laughs> oui, c'est ça, exact. Qui vient t'amener un iPhone. Donc moi, je trouve que l'idée de vendre Youpi, c'est une bonne idée, mais ne pas quelque chose qui existe déjà. Non, mais là, ça, je, ça, là je te rejoins. Soit ça ou avant l'ouverture des portes, tu charges, mettons, un 300-400$, puis là, je sais pas, moi, tu as, as, as un repas, pas, pas autre gastronomie, mais tu as un repas, puis tu as Youpi qui vient. Peut-être pas prendre un verre avec toi parce qu'il ne peut pas, là. Mais tu sais, qu'il vient te rendre visite avant l'ouverture, ça, j'ai pas de trouble. Mais à partir du moment le match est à 7, les, les portes ouvrent à 5,5, mettons. Bien, à partir de ce moment-là. Tu peux pas le vendre. Tu peux pas le vendre. Tu sais, c'est pire, c'est parce qu'il y a un Yupi dans le Tu peux pas dupliquer, tu peux pas multiplier les yuppie. Non. Tandis que ton Mickey Mouse qui vient porter un déjeuner dans l'autre resort à 14 km à Walt Disney, ça peut être un autre Mickey Mouse. On n'enlève rien. Ton Yupi qui vient porter les billets ouais. de saison, on peut faire un oreille avec rien cette journée-là. Ben, il peut y avoir deux yuppie, ben, mais il y en a deux, là, en mais fait, aussitôt qu'il y en a un qui, qui sort publiquement. Il ne peut pas en avoir un deuxième. C'est ça. fait que c'est là le problème. C'est que là, on enlève quelque chose qui existait déjà, qui était gratuit, qui était pour les enfants, qui ont déjà payé pour être là. Exact. Que... Parce que tu peux l'avoir, Youpi, hein. passant. Là, ça, ce n'est pas, 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 pas nouveau. Payer pour Youpi pour un événement. Le gros, est pas genre, pas, là. on a... se fucking pay Youpi, site. Ben oui. Tu vas ben trouver oui. ça long, par exemple. <laughs> non, mais juste pour le... Il n'est pas très volubile. Juste pour le show. Combien ça coûte un Youpi, ah, le... là. Ça, c'est pas On se book Youpi. On se book Youpi. Ah oui, mais on book Là où j'ai de la misère, c'est qu'à partir du moment, dans les games, que là, tu es supposé d'être accès grand public, là, tu es à prédire à ceux qui ont moins, je ne peux pas dire défavorisés, parce que ceux qui sont défavorisés ne peuvent pas être au Centre belle mais qui sont juste dans la classe moyenne ou la, la classe pauvre de la clientèle du Centre c'est pas normal que la clientèle plus riche va avoir un meilleur accès que ces gens-là. Moi, ouais. je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, c'est ça. Puis même, chez il va pas trop au deuxième étage. Hein, donc... Oh, là où il va Quand même, quand même. Il se promène. promène. Ah, Yuppie, là, ouais, il se promène. Il euh, est y... bon, Youpi. moi, je Oh, oui, ils sont bons. Ah ouais. Ils sont bons, les gars. J'ai fait mon cours de mascotte, puis c'était un des deux Yupi qui m'avait donné euh, mon cours de mascotte. Et ah ouais? ma carte de mascotte. Je suis là, mais. Non, non, tu me niaises. Ah, je te jure, puis j'ai fait. C'était quoi, un Pernel dans les centres d'achat Ouais, ça, dans Je me souviens pas comment ça s'appelait, le Vadrouille, je pense. Tu <laughs> penses Vadrouille J'étais <laughs> avec mon chum, Joe on a pas fait drôle. une gig une gigue, OK? Puis ça prend toujours un accompagnateur. Puis ben tu vois oui, rien, tu regardes bucket. à terre. Non, mais tu regardes, mon chum Joe, 6 pieds 5, t'es à côté de moi. Ah, « Hey man, pourquoi je raconte ça? » Puis je me promène, puis à un moment donné, Joe, il me dit, « Il y a plein d'enfants, fais des roulades à terre, fais des roulades. » Mais moi, je vois rien, j'ai les pieds. Fait que je me mets à rouler à la tête, tu croches. Puis me dit, il est crampé, dis enlève ta tête, j'enlève ma tête, je suis tout seul dans le parking, genre des roche en train de rouler que Vadrouille, c'est la dernière fois que j'ai fait. Wow, ça, c'est ça, de Max Vadrouille. True, man. Le gars de Yupi, nous avait donné l'information, il était vraiment Oh ouais, ils sont bons. Moi, dernière question, vu que des fois, le monde parle tout le temps d'argent, il y a du monde qui va tout le temps savoir. Combien tu as fait Moi. Moi, j'aime ça, l'argent. Ça payait-tu bien être gestionnaire de compte Écoute. On n'était pas mal payé. On okay. était pas mal payé, sauf que euh, ça, c'est un des éléments aussi que, que je trouvais ça un peu un, un poche. Peu dans la vente, honnêtement, pour faire la job qu'on faisait, on était vraiment en dessous du marché. Ça, c'est clair. Puis surtout qu'un un très gros pourcentage de mon salaire, euh, on, avait, on était payé encore, il y avait beaucoup de commissions, quasiment la moitié de mon salaire en commission. Puis la plus grosse partie de la commission, c'était sur le renouvellement des billets de saison. Mais tu sais, c'est très rare que j'ai un mot à dire dans re le renouvellement de saison des, des clients. À un moment donné, quand tu augmentes trop le prix des billets, quand ton équipe est poche, quand la compagnie fait faillite, c'est pas à cause de David Saint-Germain qu'ils vont renouveler ou pas leur billets. Tu sais, moi mon taux de satisfaction était à peu près 98 99 2012, 1 2 c'était toi Jean, quand tu ouais, il ça. faisait même je pas, pas dire, regarde, de ça, <laughs> Mais tu sais, sinon on, on pour vrai, c'est pour ça que je dis qu'on était super bon. tu as de là à dire que le, mon renouvellement n'est pas entre mes mains. Ça, c'était une autre chose. Fait qu On était vraiment en dessous du marché. Puis c'est ça que je déplore un peu, c'est que tu te dis être la plus grande entreprise en, 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 en sportive et en, en événementiel, mais essaye d'avoir une rétention d'employés. Puis une des, une des raisons que, que tu as une bonne rétention, c'est le salaire. C'est le salaire, puis la, fa la façon que tu vas traiter tes employés. Ouais. Je trouve que c'est ça. C'est une vieille mentalité. Ils devraient payer. Les meilleurs, mais les payer de cette façon-là, puis de les garder. Là, en ce moment, tu sais, dans les dernières années, il y, y a zéro rétention. Là. Hey, les a, gars, ils partent là. Les gars, les filles, ils partent Écoute, il y en a, puis tu sais, euh, un de mes chums qui est parti pas longtemps après moi, tu sais, ça faisait 20 ans qu'il était là, wow. au-dessus de ben? ouais. mettons, Arbert Jackey, quand il est allé à Laval, quand il gagnait à peu près 100 000. Tu sais, mettons, tu faisais-tu plus d'argent que Jackey oh, à Laval Il moins que Jackey tu sais, je gérais des, des dizaines de millions. Tu étais on gérait des dizaines de millions chaque, là. Tu sais, puis on n'était on était pas dans les chiffres, là, tu sais. Fait que, pour moi, si tu veux être la meilleure euh, organisation, engage les meilleurs, mais paye-les de cette façon-là aussi. Autant, dans, puis dans tous les domaines, tu sais, autant aux ventes, autant qu'au marketing. Tu sais, en ce moment, je trouve que c'est peut-être là où le... Ouais. Ben, mais en ce moment, les, les gars des ventes sont bons, là. Je dis pas qu'ils sont pas bons, au contraire, ils font, ils font une super bonne job. J'ai encore partent. Euh, ça fait 20 ans que tu t'en vas. Moi, j'ai mais... une dernière question. Une ouais, par rapport à la liste d'attente. Parce qu'en m'en venant, tantôt, il y a mon, y a mon comptable qui m'a appelé Puis il m'a dit Ah, mon gars du Canadien, il n'arrête pas de m'appeler. Il veut que je mette sa liste d'attente. Ça vaut-tu la peine que je prenne des billets de saison Moi, il m'a appelé pour savoir c'est quoi mon, mon opinion. Ouais. Moi, j'ai donné. Euh, je suis devoir de voir ta réponse. Moi, j'ai donné ma réponse que j'ai dit Tant qu'à te prendre des billets, de te mettre sa liste d'attente pendant deux ans pour savoir qu'au final, dans deux ans, on va soit t'offrir des jardins ou des blancs dans un coin FF que tu vas payer cher. Moi, j'ai dit, c'est tant qu'à mettre autant d'argent là-dessus. Si tu vas aller voir 10 games par année, t'es bien mieux de t'acheter un package de 10 games ou des de acheter à gauche puis à droite. Moi, c'est ça mon opinion que j'ai dit, ça ne vaut pas la peine de prendre des billets de saison. En plus, pour essayer de les revendre sur Stop Up, Ticketmaster, faire ouais. donner une cote de 15 Moi, mon comptable m'a demandé, je, je vais mettre tous ces billets de saison. Puis en plus, la liste, tu dois le savoir que même si tu es au rang numéro 12, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui peut te bumper. Ça, c'est clair. Mais tu sais, la liste d'attente, ça c'était. Ça, c'était quelque chose de, de glissant. Très, très glissant. Moi, quand je suis rentré là, il y avait une liste d'attente de, de, de milliers de personnes. Là, Puis euh, est-ce que ça vaut la peine? Écoute, si tu veux avoir tes billets de saison éventuellement, c'est sûr que tu n'as pas le choix. Puis si tu veux avoir des bons billets de saison, Meilleur, la, la meilleure façon, c'est d'avoir des billets de saison, d'accumuler ton ancienneté, puis de, de participer au, au phénomène de relocalisation à chaque année. Ouais, okay? Ça, ça a été une nouvelle affaire qui a été mise. Moi, je chialais okay. là-dessus, parce que quand il y a eu la liste de billets de saison, ben oui, moi, je me que de j'avais des 109 V. Puis là, je suis comme, mais ah, là, là, okay. tu, tu donnes des nouveaux billets de saison à chaque année, puis moi, je suis rangé 20 ouais. Puis là, à un moment donné, j'avais chialé, puis finalement, tu avais relocalisé, là, j'avais eu, je pense que je m'étais ramassé 104 D. Puis là, j'étais comme, bon... Là, avant, ils faisaient passer un nouveau pour avoir des meilleurs billets ben qui oui. étaient déjà là. Oui, c'était je... pas voulu. Je ouais, la ça. façon que ça fonctionnait, on faisait ça à mi temps Écoute, avant, là, on avait les sièges qui se libèrent. Ah. Okay. Fait que là, on avait la liste des plus anciens. On dur, les appelait un par éterne, un. Là, dur, là, non, non. Si, hey. Hey, on appelait les clients un par un, voir s'ils voulaient changer. C'était interminable. Là, ils ont changé, ils ont mis ça de façon ouais. électronique. C'est parfait. Pour revenir à ta liste d'attente, quand je suis rentré là, il y avait 16 000 billets de saison à peu près 5000 euh, billets individuels à vendre au début de l'année pour toutes les games. Puis tu sais, le fameux décembre 2015, là, où il y avait des centaines de billets à vendre, avant les Capitals puis on était premier dans la Ligue, là, ils ont eu un méchant Wake Up Call. Tu dis Ok, là, les performances de l'équipe sont bonnes, mais qu'on n'est pas sur le doubt, comment ça se fait? Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vers les valves. Là, ils seront arrivés euh, la saison d'après. Puis avant, avant que je sois là, avant 2015, là, les, les gars qui étaient là avant moi, les, les, les gestionnaires, avaient même pas deux paires de billets à offrir sur la liste d'attente dans l'Upper Bowl. C'était, ça ne bougeait pas. Tu pouvais être le premier puis à... en ligne puis attendre cinq ans encore. Wow. Fait que là, les gars suppliaient Vincent et disaient hey, On peut-tu avoir cinq paires cette année, s'il te plaît C'était non, c'était non. Puis à un moment donné, en 2016, c'était à coup de centaines de billets, puis de centaines de billets, qui ont débloqué en billets de saison parce qu'ils ne réussissaient pas à les revendre en individuel. en individuel. Fait que là, ça a fait en sorte que. Offre, demande, il y a un déséquilibre. Puis depuis ce temps-là, si tu veux des billets, c'est super facile. Fait, puis là, sur la liste d'attente, quand on t'appelait, quand c'était ton tour finalement, tu pouvais refuser une fois. Ouais. L'année d'après, on te rappelait. Si tu refusais, kick out, la, puis tu n'étais pas remboursé. et Moi, j'étais là, j'ai donné des 5, 6, 7 chances là, au monde. On n'a pas le choix parce que si on kickait tout le monde out de la liste d'attente, il n'y en avait plus de liste d'attente. Moi j'ai fait le tour. La dernière année j'étais là, là, on avait fait le tour des gens sur la liste d'attente. Tout le monde. Tout le monde. Tout, tout le, le monde, monde a... sur la liste d'attente s'était fait offrir une part. Tout le monde avait eu une offre. Oh wow. Tout le monde avait eu une offre. Fait que si on avait kick out ce monde-là, il n'y en avait plus de liste d'attente. Là, plus de liste d'attente, tu tombes dans le gros trouble. Là, là tu tombes dans un autre cercle. Ouais. Avant 2000, 2006, je pense que c'est... La loi, tu connais ça. Euh... Ah, ben c'est ah. ça, exactement. Fait que, tu si tu veux mon avis là-dessus, euh, trouve-toi quelqu'un, ben, tu sais, comme je t'ai dit, si tu veux cumuler de l'ancienneté puis éventuellement avoir des bons billets à toi, c'est une chose. Tu sais, moi, j'en ai quatre billets de saison. Je ne vois pas, tu sais, ça fait 90 billets par paire. Fait que 180 billets par année, c'est sûr que je peux pas aller à toutes et d'un. un. fait, que trop tôt quelqu'un qui a des bons billets, puis achète y des, achète paires à lui. C'est exactement ce que ouais. je à ouais. mon comptable aujourd'hui. Mais tu sais ce qu'il faut avec les billets de saison, c'est quand les Canadiens de Montréal ont décidé de mettre des frais de transfert. Moi, j'étais en 2011, j'avais, j'avais, moi j'avais, j'avais six billets de saison. Puis dans le temps qu'il y avait une, la liste d'attente, c'était débile. Moi, j'ai vendu mes droits de billets de saison. Oh, un, ouais. Parce que là, le Canadien de Montréal, supposons que j'ai des billets de saison d'un rouge, OK? Puis là, supposons que mes billets de saison, chaque année, ça me coûte, on va dire, 22 000. Puis toi, tu me dis, Jean... J'ai veux. J'ai veux. Fait que le Canadien de Montréal va dire, Jean, pour que tu transfères tes billets de saison à Max Truman... Faut que tu payes 100 de la facture annuelle totale. En, fait, frais, en frais, frais de facture. Fait que tu, tu donnes 22 000 aux Canadiens de Montréal juste pour le transfert. Mais ça va payer la première année de l'autre. Non. non. Vous niaisez. C'est 44 000 que ça mais, coûte après. Mais année. tu sais pourquoi ils ont fait ça. Attends, là. Puis oh, il n'y a pas de scandale là-dessus. Personne n'en a jamais parlé nulle part. Ça ouais. coûte 44 000 transférer une paire de billets. Non, mais, le pot -tout, mais là, pas mettons, tout. On est d'un rouge, coûte, là. Ta première année, ça te coûte le double. Fait que peu importe ouais. es où dans le centre belle Si ça te coûte. 100 000, ben, ta première année, elle te coûte 200 000. Si ça te coûte 5 000, wow, ta ta première vous, année, Pourquoi non. ils ont fait que ça? Ils les taxes de bienvenue, non, ça, oui. Parce qu'ils ont commencé à faire ça parce que des gars comme moi, moi, quelqu'un m'avait dit qui était un expert dans l'industrie, c'est que moi, avant que ça soit fait, c'est que je vendais les droits à quelqu'un. Fait que moi, j'ai déjà vendu une paire de blancs, c'était des 304, bébés. <laughs> puis il y a un gars qui est allé, puis il m'a donné 20 000 cash. Fait que c'est toujours à cause de fait, gens. Fait que fait, moi, moi, moi j'ai appelé au 100 Bell, puis j'ai dit, je peux tu avais le droit de transférer tes billets. Fait que j'ai dit, je veux transférer mes billets à Sean, un uh, de mes chums, uh, Sean uh, McGuinn, whatever. Ah, pas de problème, nanana. Non, non. La, L'année d'après, ils se faisaient transférer les biens, mais moi, je disais, mais tu sais, c'est de la façon pour C'est la même affaire que la revente. Ils ont voulu faire la ouais. cote que tu faisais. Dans ben la oui. revente, ils ont monté les prix pour aller faire la cote que les revendeurs faisaient. Mais ben moi, je pense, ouais. pense que c'est correct. Moi, je pense que c'est. leur. Moi, je regarde, tu sais, j'ai vraiment changé ma perspective du côté business du Canadien. Que... Depuis que tu es millionnaire, tu comme. <laughs> non, mais comme... <laughs> d'un côté, c'est leur business, c'est leur produit. Tu sais, c'est plus scandaleux. Tu sais, Air Canada, là. Et eux, ils jouent avec les fonds du dynamic pricing, avec leur, leur billet d'avion. Je si suis d'accord un peu avec ce que tu dis, puis pas beaucoup avec ce que tu dis. Okay? <laughs> à, à pourquoi. Ça, Je suis d'accord avec ça, de dire, OK, euh, ils, jouent avec, ils, ont, ils ont le droit d'aller chercher la partie de 15 OK. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Quand ils ont instauré la voûte, je pense que c'était en 2006-2008 de mémoire. OK, ils ont, instauré, ils ont instauré la voûte. La ouais. voûte, c'est là que tu mettais tes billets. Fait au lieu de faire affaire avec billets.ca, Stubub, Ticketmaster. Peu importe. Faites la promo okay? <laughs> Vous m'enverrez <laughs> votre chèque. <check. rire> Zéro <rire> dollar. <okay? rire> au lieu de faire affaire avec, Ils ont décidé d'ouvrir leur, leur propre plateforme. C'est correct. Fait que tu as les prix des billets. Quand tu veux les revendre là, bien, au lieu de payer les autres plateformes, tu payes les autres. Fine, j'ai pas trop avec ça. Mais là, ce qui est arrivé avec ça, c'est que le, ça, ça crée un autre phénomène. C'est que là, ils sont aperçus que les billets, par exemple, dans les bleus et dans les gris, qui vendaient 30$, 40$ l'unité aux détenteurs de billets de saison, puis qui se revendaient 100-120 ils se sont dit Ah, oh, non seulement on peut aller chercher 15 de ça, mais pourquoi qu'on n'irait pas les revendre 45 plus cher? Fait que l'année d'après. Dans Bowl, le les billets ce sont, les billets de saison sont passés d'une saison à l'autre, pas en 25 ans. 45 plus cher. Ouais, J'avais des billets bleus. de groupe. moi j'achetais des 30-40, puis j'ai revendais. Écoute, c'est pas des jokes, je prenais le 30-40, j'allais le chercher, ouais. j'allais porter 400 5 rues plus loin, il y avait un revendeur qui reste là. Ouais. Je faisais ça, ça, puis je faisais 2000 là, Quand ils ont vu ça passer dans leur système informatique, ils se sont rendus compte OK, mais pourquoi qu'on les revendrait ouais. juste 30 Non seulement on peut aller chercher 15 de ça, mais pourquoi qu'on les revend pas aux détenteurs? 60 ben ans, ouais. c'est plus, t'sais. Fait que là, avec les années, ça a monté, là. Fait que c'est... la voûte, non seulement, ils sont allés chercher un pourcentage des reventes, mais après ça, ils sont dit « Parfait, on va augmenter le prix de nos billets. » Puis là, ça fait là, Mais quand ça pète, ça pète, ces affaires-là. Mais ça là, il faut arrêter. Wow. Ouais. On va avoir une euh, part 2 à un moment donné avec David, parce que je sais qu'il y a plein d'affaires qu'ils nous ont pas dit. Ça va garder le monde euh, accroché. Puis on va avoir une autre saison de 10, puis une autre saison de 10, puis une autre saison de 10. Mais Dave, merci d'être venu nous hey, voir. Merci, gars. C'était super le fun. Ouais. Il y a deux semaines, on suggérait aux gens de prendre Adil Bernard comme courtier immobilier. Aujourd'hui, c'est David Saint-Germain. Au peu, il peut faire équipe, genre moitié-moitié les ouais. quatre. Ouais. Vous, tu ça arrivé, ça Dave. Euh, non, c'est une fille Odile. Okay, ouais, Mais je ne sais pas elle est où. Et commercial. Et partout. Ah. Et worldwide. ah okay. Présidentiel avec, ouais, avec David, commercial avec Odile. Vous avez le meilleur team. Yes. Merci d'être venu. Merci, boys. merci, merci vous. David. Euh, vous êtes encore là. Euh, merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous à 9 millions sur YouTube, sur Twitter, X, sur Instagram, sur TikTok, Facebook, ça s'en vient. Euh, restez jusqu'à la fin des podcasts. Je pense que les meilleurs Punch avec David ont été faites à la fin. Donc, merci de rester au complet et d'écouter euh, l'épisode. Épisode 8, déjà, il en reste deux, Jean. Yes. On sait qui on invite déjà? On s'en reparle. On s'en reparle. OK. Peace.